Donc, fin de l'année. Hein. Changer celui-là. Un petit peu de couvain là encore. Donc un petit peu de couvain et beaucoup beaucoup de miel. C'est bon ça. Est-ce que ça filme? Ouais. C'est beau ça. Encore. Il y a même encore du mal. C'est pas de la misette des fois, non? De cellules. Parce que là, il est tard. Le 16. Le 26 juillet, on est. Beau cap de couleur. Les rennes sont censées baisser les pentes. Oh là là, encore, quand tout ça, ça va sortir. Hein. Au troisième de couvain, je crois. 1, 2, 3, plus un petit peu là. Regardez-moi ça. C'est énorme. Tenter une hausse, hein. C'est quand tout ça, ça va naître, ça va travailler, hein. C'est un peu de la folie, mais... Parce que là, ils vont faire de la cellule, hein. Ça va être trop serré, ça. Là, encore du couvain. Oh là 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 là. Là j'ai une amusette. On va manger quand même un peu. Ah, il y a du miel là-dedans. Oh. Tout est plein, archi plein de couvain, de miel, et hop, une hausse.
c'est bien. Voilà, j'ai décalé celui-là. Allez, cool, hein, comme ça, ça va mieux. Hein. Ouais, je vais remettre une gaufre là. Voilà. Allez, 16, 26 juillet. Je fais de la place parce que voilà. J'ai la mielée de sarrasin là. Franchement, elle est à bloc celle-là. Enfin, je sais pas si j'ai raison, mais. Allez. Normalement, il y a un trou de mielée au mois d'août. Mais comme j'ai un sarrasin à côté et puis tout le reste, là. Bon, voilà, hein. Ça c'est une expérience. Voilà. Et ouais, il fait chaud. Hein. J'ai encore de la batterie. Donc le 26 sur la 6B, je viens de mettre une hausse. Le 26 juillet.